since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, un test un petit peu particulier. Donc, c'est un test d'un switch, mais pas un switch classique. C'est le switch cube, donc de chez Akara. Donc, il y a aussi le modèle Xiaomi. Hein, ça existe depuis pas mal d'années. On va procéder au déballage, comme d'habitude. Donc, pour ceux qui veulent un peu les caractéristiques, donc c'est pas grand, hein, c'est un petit cube. Donc vous voyez déjà la boîte. Sinon on regarde les caractéristiques. C'est un cube qui fait du 4,5 sur 4,5. Donc avec une pile CR 2450. Donc c'est la même pile que le détecteur de mouvement. Et donc voilà, après c'est du chinois, on comprend rien. Donc modèle tel. Ok, une petite photo, un petit logo sur la boîte. Caractère chinois. D'Akara, et voilà, c'est un petit QR code ici. Donc on va déballer ça. Donc dans la boîte c'est simplifié, hein. Ils ont mis directement le cube dedans, pas grand chose dedans. On va aller dans un petit film plastique. On ouvre ça et on regarde le petit cube. Donc il est écrit Akara ici. Donc après les côtés c'est simple, hein. Il y a la trappe ici à ouvrir. Bon, à ouvrir pour changer simplement la pile. Pour le connecter, il ne faudra pas l'ouvrir. Donc on n'a pas besoin, il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton spécifique pour le connecter. Hein. Il n'y a pas de reset ou quoi. De l'extérieur, mais tout se passe à l'intérieur. Donc voilà, donc on va regarder ce qu'on peut faire avec ce cube. J'ai ramené, si vous voyez, une lampe Yeelight couleur et une lampe Philips. Donc on va regarder ça pour la connexion, ce qu'on peut faire déjà avec des ampoules. Bien sûr, avec ce cube, vous pouvez connecter n'importe quel appareil, hein. Donc on va regarder, donc il a 6 positions, contrairement déjà à celui d'Akara ici, version carré. On a 2 positions. Après, vous avez le switch ici, Xiaomi, qui fait 3 positions. Et le switch carré, qui a 6 positions. Donc voilà. Ça, je mets de côté. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Donc là, un petit manuel. Et une petite languette en métal pour ouvrir l'arrière ici. Donc... pour ouvrir l'arrière, on va regarder ça après. Donc le manuel, donc ils disent on peut connecter avec, donc bien sûr pour ça, pour ce switch là, il vous faut absolument le gateway. Sans le gateway, ça ne sert à rien, ne l'achetez pas. Donc je l'ai eu en promo à 7€ avec frais de transport et tout ça, hein, sur Gearbest. Sinon je crois qu'il est à 12-13€. Pour ceux qui l'ont vu, hein, je l'avais dit que j'allais le tester dans mon blog, hein, donc je l'ai payé, hein, je l'ai acheté. Je suis pas sponsorisé par les boutiques, hein. J'ai eu que la bouloir et la balance connectée sponsorisée par par Gearbest. Sinon les autres trucs je les achète moi-même. Donc il n'y a rien d'autre, hein. Donc là ils disent on peut faire des scènes avec le capteur de porte et fenêtre, avec les prises et avec les interrupteurs classiques, donc pas classiques mais interrupteurs de chez Xiaomi, hein, d'apparence classique, c'est ce que je voulais dire. Donc sinon le manuel comme d'habitude tout en chinois. Hop, on met ça dans la boîte, petite languette. Je la mets un peu au-dessus de côté pour voir si ça va nous servir après. Mais j'en suis sûr, il ne faut pas ouvrir pour connecter. Bon, on verra. Donc, on va sur l'application. Je vous rapproche ça. L'application Mi Home. Voilà. On prend son gateway. Moi, j'en possède 3. Donc je vais connecter sur Gateway, donc celui de la cuisine, il y en a beaucoup maintenant, donc je vais prendre celui de l'étage.
Donc pour le connecter, il faut aller sur son gateway, dans Device, et ajouter un Shield Device. Et là, on choisit donc le MiCube. J'ai regardé si c'est celui-là. Parce qu'il y a deux modèles, je pense. Oh, on va annuler. On rajoute ce que j'ai appuyé. Ça, c'était pour une autre chose. Vous voyez, Akara Cube ici. Et là, on a le MiCube. Donc, vous confondez pas. Celui, c'est Akara. Il est écrit Akara, Akara Cube. Donc, si vous essayez de connecter avec MiCube, ça marchera jamais. Donc on va prendre Akara Cube. Donc là vous voyez, il faut juste le secouer fort, donc pas besoin de l'ouvrir. Bon, on va le secouer. Et voilà, donc j'ai juste secoué et ça s'est connecté. Donc parfait. Celui-là, bon, on va... Ah ouais, donc sur l'autre gateway, les pièces sont pas apparemment configurées, mais je vais le mettre dans mon salon pour commencer. Après, on changera de pièce. Ah bon, ça s'est affiché par la suite. Donc salon, voilà, hop. Bon, des petits bugs comme ça hein, qui suit pas parfois sur l'application. Faut le temps. Et on retrouve notre Akara Cube ici. On le sélectionne. Il y a une petite vidéo démo apparemment au démarrage. Donc je vais vous mettre ici ce que je sais pas si la lumière ça dérange avec l'écran. Donc voilà, j'ai essayé de régler au mieux le problème de petits reflets. Donc on regarde la petite vidéo démo qui nous propose. Donc pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit cube. Donc là, on a vu. Donc c'était le double tap. On va essayer de revoir la démo parce que on n'a pas bien regardé. Hop. Donc ok, le double tap, le flip 90 degrés, 90 degrés. Donc après il y a un flip 180 degrés, ok. Donc on peut le tourner comme ça 180 degrés et on peut faire des scènes comme ça. Le check, on peut le secouer et faire une scène, et il y a un mode de glisser. Donc je pense qu'on est bien à 6 ici. Donc un mode glisser pour. Donc on fait un mode glisser, on fait juste glisser le cube en appuyant un peu fort. Et ça reconnaît apparemment. Donc le cube possède un gyroscope, donc un peu comme le système des smartphones. Donc si on bouge comme ça, il le sait quoi. Ok, donc et le double tap, c'est pas on tape comme ça dessus, non, il faut bien le faire sur le sol. Et il n'y a pas de sens, hein, si je le fais comme ça, il ne faut pas prendre vraiment le sens de l'écriture. Je peux le faire comme ça et ça va fonctionner. Bon, on va regarder ça ensemble. Donc ok, donc on va créer une scène, parce que là c'est la page qu'on retrouve au démarrage. Je vais voir un petit peu la luminosité ici. J'étais trop vite. Donc on va le rajouter en façade, comme ça je vois pas passer par le gateway. Bah, il est là, ok, bon. Hop, voilà, il est là. Et comme ça on ne passe plus par le gateway et on a directement l'affichage ici. De toute façon le cube, tout ce qu'on peut faire, ben, c'est des scènes avec. Hein. Sinon vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de programmation ici, on peut juste créer la scène. Donc on va voir sur les trois petits points qu'est-ce qui se passe. Donc il y a auto. Auto, ben, c'est ce qu'on a fait. Il y a les logs. Ben, là, il est en train de se connecter. Donc, on regarde ça. Donc, on peut le renommer, choisir la pièce. Donc, ajouter à l'écran d'accueil de son téléphone. Et si on a des problèmes, donc donner notre avis sur l'objet. Donc s'il y a des problèmes, tout ça, faites un feedback. Si vous rencontrez un petit problème, un bug ou quoi, faites toujours un feedback. C'est toujours sympa pour Xiaomi. Et au moins, ils savent un peu les bugs que vous rencontrez. Comme ça, ils peuvent les corriger dans les mises à jour. Donc voilà, c'est tout ce qu'on trouve là. On va créer une scène. Donc, un flip... On va commencer, donc si je tape là, donc on a le flip, je suppose,
à rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, donc on a le flip 90 degrés, 90 degrés, le flip 180 degrés, le check, le rotate, donc la rotation, tap twice, donc taper deux fois, et le push c'est le pousser, hein, donc quand on pousse, donc voilà. Donc je remets ça, le téléphone sur la base, on va créer une scène, allez. Bon, on va commencer par le flip, on va voir ce que ça donne. Parce que je sais que le cube ici, parfois je pense que ça débug, ça marche pas forcément correctement. Bon, on va le tester. Donc, on va tester d'abord sur la lampier light pour cette scène-là. Lampe garage, voilà, c'est une lampe qui était dans mon garage. On va faire un turn on-off. On fait OK. Je vais laisser ce nom-là pour l'instant et on va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne pas, mais normalement, si je fais ça, ça devrait marcher. Donc, si je regarde les logs, est-ce que ça a fonctionné? Ouais, donc ça a bien fait, mais ça n'a pas actionné la lampe. Donc je vérifie que si la lampe est bien connectée. Donc lampe garage, si je fais ça, ça l'allume, donc elle est bien connectée. Bon, apparemment ça fonctionne pas. Donc je suis là aussi pour vous montrer, hein, si ça fonctionne pas. On va regarder encore. Peut-être c'est le temps que ça synchronise. Parfois c'est juste un petit moment. Il faut un petit moment d'attente pour que ça refonctionne. Bon, pendant ce temps-là, on va essayer de refaire une scène. On va faire un check. Je vais refaire une scène. Donc, salon, 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 garage, garage. Moi, je cherche là en garage. Voilà. Je vais refaire une scène turn on off, je vais mettre OK, mais je dois désactiver déjà la première scène pour que ça ne fasse pas double emploi. Et on va voir si ça fonctionne correctement. Donc je secoue. Donc vous voyez là, ça fonctionne directement. Je ne sais pas pourquoi avec le flip ça ne fonctionne pas. Donc si je fais ça donc si je resecoue, ça éteint. Je secoue, ça allume. Je secoue, ça éteint. Bon, là ça fonctionne bien. On va réessayer le flip. Donc le flip, donc j'ai bien vu sur la vidéo que le flip c'était ça. Il faut bien le prendre. Bon, ça fonctionne pas. Donc je vais désactiver cette scène-là. Je vais recréer une scène avec flip 180 degrés. Bon, je sais vraiment pas comment on fait. C'était vraiment technique sur la vidéo. Je pense pas être capable de faire ça. On va quand même tester. Non, c'est pas ça que j'ai besoin. La lampe du garage. Donc. On va faire encore une. Après, on va tester les luminosités et tout ça. Pour l'instant, on fait comme ça. Donc, je teste tout en direct pour ceux qui voient. Donc, je magouille pas mes vidéos pour dire ah, c'est tout beau, ça fonctionne bien, etc. Quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Je vous montre pas quand ça fonctionne correctement en vidéo et je vous prends que les montages et je vous montre que ça fonctionne comme les autres à peu près. Ils font tous ça, que ça fonctionne bien alors qu'il y a toujours des bugs. Donc, un flip 180 degrés. Donc ça c'est 90. Ok, bon. Bon, moi j'y arrive pas. Je suis pas doué à ça. Déjà ça fonctionnait pas avec le 80. Ah bah bon, voilà, ça a fonctionné. C'est peut-être ma faute. Voilà, bon, ça fonctionne, c'est moi qui m'y prends en mal, mais faire un flip 180 pour allumer et éteindre, je vous conseille pas. Donc, on désactive cette scène, on va aller au suivant.
Donc, rotation, le check c'est fait. Rotation, on va aller faire rotation. Rotation, c'était ça, hein. C'était ça la rotation, ok. Donc, il faut se souvenir aussi quand on a créé une scène à quoi ça sert quoi. Quand on a six positions sur un truc, il faut faire marcher un peu sa mémoire. Donc là, vous voyez, avec la rotation, apparemment, je ne peux pas faire turn on off. Parce que c'est moi qui ai créé trop de scènes. Donc avec ça, on peut ajuster la luminosité. Donc ce que je vais faire, on va mettre ajuster adjust color température. Je vais mettre adjust color et on va regarder ça ensemble. Ça a l'air intéressant ce mode-là. Donc ça, je laisse, pas besoin de notification pour ça. Régler le nom des notifications. Je vais mettre le check pour allumer la lampe. Comme ça, on va voir ça ensemble. Donc si je fais check, ça devrait allumer. En tout cas. Ah, ça a fait sonner le gateway. Il a parlé en chinois. Je pense pas que vous l'avez entendu, vous savez pas, je pense pas que vous savez l'entendre. Ah bon, voilà. Donc c'est moi peut-être qui ai mal secoué. Donc désolé avec l'éclairage, c'est un peu fort. Et là, on va faire là, c'était rotation, hein. Donc si je fais ça, donc vous voyez, c'est un mode intéressant. Si je tourne, ça change la couleur. Donc j'ajuste la couleur. Donc on peut régler un peu la température. Ça change. Je ne sais pas si vous le voyez. À l'image, vous ne le voyez pas. Mais moi, je vois que ça change. Donc si je vais plus vite. Donc là, vous voyez. Pour moi, là, c'est vert. Là, c'est bleu. Donc rouge. Si je reviens en arrière. Donc bleu. Rose, rouge. Donc vous voyez peut-être par rapport au bureau. Donc le bureau qui change de couleur. Vous voyez jaune. Parce que par la lampe, on voit rien. Donc regardez mon bureau. Vous voyez, il change de couleur bleu. Parce que j'ai un bureau en vert. Donc ça change. Donc c'est sympa. C'est sympa. Donc on était à ce mode-là. Maintenant, on va voir un autre mode. Tap Twice. On va voir Tap Twice. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Tap Twice? Avec Tap Twice, on va allumer la lampe ici, la Philips. Donc, c'est la lampe E14 de Philips. Tap Twice. Tap Twice, Tap Twice. Lampe, la lampe, la lampe. E14, la Ziri. On peut l'allumer et l'éteindre. Je vais faire OK. Donc j'ai mon PC qui veut redémarrer. Donc encore des mises à jour de Windows. Hop, voilà. Donc ici, donc si je tape deux fois, ça devrait allumer la lampe Philips. Et je sais qu'avec les Philips, sur certaines choses, quand il n'y a pas eu beaucoup de mises à jour sur ces lampes-là, ils sont moins au point que les Yeelight. Les Yeelight, avec les nombreuses mises à jour qu'ils ont eues depuis le début, alors que les Philips, j'ai pas vu encore de mise à jour. Donc voilà, ça s'est allumé, donc ça a fonctionné, tant mieux. Donc je vais faire quand même peut-être plus fort. Ouais, donc il y a un petit temps de latence, il faut faire un peu plus fort. Donc si je check pour éteindre, je fais ça. Ok, vous voyez, un petit temps de latence, j'ai dû recommencer une autre fois. Alors que si je fais ça, là il y a light, elle se s'allume tout de suite. Voilà. Et on a éteint tout. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur pour voir si ce qu'il y a dedans. Donc, il faut bien mettre le truc dedans et forcer. Faut pas avoir peur, ça va pas se casser, je pense pas. C'est là que je le casse devant vous. Hop. Ouais. Donc, faut pas hésiter, parce que c'est un peu dur à l'extraire. Donc, allez-y fortement, n'ayez pas peur.
Bon, pas trop fort non plus. Donc vous voyez, ils mettent des piles Panasonic CR. Donc je sais pas si vous voyez correctement. C'est un peu noir. CR 2450, une 3 volts. Donc les mêmes que les capteurs de mouvement. Donc il y a un bouton pour faire un linkage. Donc pour le linker. Je sais pas pourquoi, parce que donc c'est pour l'appairer, hein, pour l'appairer à l'application. Mon PC redémarre comme ça tout seul. Bon, ok. Ouais, donc il y a un bouton ici pour l'appairer à son gateway. Donc je vois pas, avec une LED. Une LED ici. Donc je vois pas pourquoi ça servirait, puisque en secouant comme ça. Ben, ça on la perd à son gateway, donc je vois pas l'utilité, mais bon, ça peut toujours servir, je suppose, pour le resetter. Ça doit être ça. Donc, ici, on voit une petite flèche, vous voyez ici, une flèche là. Je suppose qu'il doit y avoir une autre flèche ici. On va regarder ça. Donc, si je suis dans la logique de fabrication, hein, je vois pas de flèche. Ah, si, il y a une flèche, j'avais raison. Vous voyez ici, comme ça vous ne risquez pas de vous tromper de sens. Donc il y a une flèche ici, une flèche ici, et comme ça on peut le refermer tranquille. Voilà. Donc c'est un petit cube sympa, il y a des petits défauts. Donc ça, Xiaomi et Akara, donc j'en suis sûr, ils vont que ça en s'améliorant. Donc bien sûr, parfois quand ils veulent améliorer, ils créent d'autres bugs, mais ça. Ça reste comme ça, hein, c'est la technologie. Donc, on va se quitter là-dessus. Je check. Est-ce que j'ai laissé le mode activé? Non, j'ai pas activé. Non, ça marche pas. Ah, c'est le mode on-on. Le check, j'avais mis ou pas? Je l'ai laissé, je l'ai laissé, non, je l'ai pas laissé. Turn on off, ici, comme ça, je réactive. Je suppose que ça devrait marcher maintenant. Check. Veut plus. Il veut plus. Ah bah voilà, il a refonctionné. Il faut le temps hein, qu'il se reconnecte au mode. Donc si ça fonctionne pas tout de suite sur une scène, bah, il y a un petit temps de latence, le temps que la scène se fasse au début, hein, je pense. Et après, ça roule. Hein. Hop, on éteint, on tape deux fois. Peut-être il faut faire vite. Ok, bon. Ok, bon, ça marche parfaitement. C'est à moi d'ajuster mes mouvements. Donc, vous voyez, je fais tout en direct. Ça a duré un petit peu longtemps. Ça va peut-être vous ennuyer à la fin. Donc, je remercie encore mes abonnés, les anciens, les nouveaux qui s'abonnent. Un grand merci. On est 682 aujourd'hui sur la chaîne. Un grand merci de me suivre. Donc, si vous avez des questions sur cet objet, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Donc, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je vous réponds au plus vite. Donc, bien sûr, tous les produits que vous voyez ici, les lampes, les suites, tout ça, n'hésitez pas. Il y a toujours des bons plans sur mon blog. Donc, faites un tour sur mon blog pour les codes promo. Vous allez trouver les codes promo. Ça, en plus, avec votre achat, donc vous payez moins cher grâce à mon blog. Et ça, grâce au blog, grâce à votre achat, vous sponsorisez le blog. Donc, c'est une chaîne. Donc voilà, un grand merci à vous. Merci de votre fidélité. Je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Derwan. So let me see.